Bonsoir à tous. Monsieur Lewis, monsieur Randall. Salut, salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va? Ça va, pardon. Ah, c'est à toi que je parlais, oui. Non, mais j'ai déjà peur. T'as déjà peur? Je me fais déjà caca dessus. S'il y en a qui ont suivi le Facebook de Fred, ils ont pu me voir sur ses genoux après avoir joué à péter. À péter? Mais c'est dégueulasse. Player Trailer. Playable Trailer de Silent Hill. D'accord. Donc alors, faites peut-être un récapitulatif. Alors, petit récapitulatif, je suis sorti de l'hôpital, je me suis fait le centre commercial, donc on visite la ville. Oh, et... j'aurais tant voulu aller, let's go to the mall. Ouais, il y avait un petit Virgin et tout. Et là, donc, je suis dans les égouts pour rejoindre le lac, je crois. Et c'est un passage que j'ai déjà fait, mais je me suis fait latter par ces saloperies, là. Tu l'as vu, le truc qui m'a surgi par derrière, là. Alors, voilà. J'ai rien vu. Attends, retourne-y pour non. Voir. Non, je me décale un petit peu. Non, t'es passé en jeu. Ah ouais. Bah oui. On nous voit plus. Est-ce qu'on nous entend? Non, on nous entend, oui. Voilà. C'est Reldric qui fait des bêtises. Aïe. Ah ouais, il y a des trucs qui... mais c'est quoi? En fait, c'est une espèce de grosse menthe religieuse. Et ils surgissent que dans l'ombre, c'est ça? Je sais pas, oui. Non, après ils apparaissent. Oui, ça y est, je m'en souviens. Ouais. Moi j'ai l'impression, vas-y... On était pratiquement à la fin des égouts, on avait une clé et... Ouais. Il faut surtout pas que je reste immobile, je pense, plutôt. T'es... Retourne-toi ouais. Ah ouais, on dirait des coléoptères. Je ne sais pas comment est un coléoptère. Tiens. Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est la meilleure arme du jeu. Ouais, c'est un peu comme le pied de biche dans Half-Life. Non, alors c'est faux. Le pied de biche, c'est la seule arme dans Half-Life. Non, il y a le truc anti-gravité qui est pas mal dans Half-Life. Le 2? Non, dans Half-Life 2. Ah oui. J'allais dire le portal gun. Bah non, le Portal Gun c'est dans le Portal. Portal ouais. Non, dans Half-Life 2 c'est le Gravity Gun. Moi j'aime bien le flingue de Master Chief dans Half-Life. Ouais. Le flingue de Master Chief dans Half-Life, ok. Non, c'est du troll. La 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 la. Alors. Oui, on voit ma moitié les gens. Oui, on voit ma moitié. C'est pas par là, j'imagine. Alors, la carte. Voyons voir. Ah, donc rappelez-vous, Hob et son sens de l'orientation. Bah non, mais il est bien mon sens de l'orientation, c'est juste que c'est des égouts. Ouais, il est bien pourri. Enfoiré. Alors. Non, mais. C'est pas ce qu'il se perd en sortant des bars à chaque fois. Que... Alors autant je peux ne pas avoir de goût pour m'habiller, hein, mais toi, je suis désolé, t'as pas de sens de l'orientation. Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et je me demande si c'est sur l'orientation ou sur le style vestimentaire. Ah ouais, en fait, ouais, voilà. En fait, alors. Je pense que tu t'habilles bien. ça m'étonnerait. Même moi, alors, je pense que je m'habille mal. C'est pas par là. Avec une gestion de la caméra qui est extraordinaire. C'est plutôt pas mal, le centre d'orientation de Hob. Ah, voilà. Merci. En fait, il y a que... Et on était pratiquement à la fin, parce que normalement, quand... Et donc, il va y avoir un boss. Alors, c'est bon, j'en suis fait pratiquement deux coups sur coup. On avait pas un déjà dans les égouts? On a pas eu un. Piocheman, pourquoi pas? Ouais. Moi j'ai adoré comment le perso tourne. C'est un peu Minecraft avant l'heure, c'est. Tiens! Ils sont vraiment très gros les cafards. Ouais, c'est vraiment dégueulasse, c'est comme villa. J'en suis où de la vie? Parce que t'as pas le masque de The Mask quand tu vas au Coco Bongo Club, t'es toujours au top. Quoi? D'accord, c'est Sano. Jorus, parce que t'as pas le masque de The Mask quand tu vas au Coco Bongo Club, t'es toujours au top. Non, je veux pas, j'ai un souvenir de The Mask. C'est l'attaque des cafards géants sortie en. C'est Cameron Diaz juste quand elle est devant la boîte. Alors, avec une petite robe qui est.
Bon, alors les cafards géants, ça sort dans pas longtemps, et c'est au mois d'octobre. C'est vrai ? For Mars. D'accord. Et c'est les cafards géants sur Mars. Hein ? C'est un Asylum, ça, au moins. Non, Terraform Mars. Ah. C'est l'animé, plutôt le manga. Ah oui, c'est ton manga préféré de la mort absolue. Les cafards sur Mars ? C'est le bon manga. C'est le seinen le plus vendu au Japon. C'est... Ouais, c'est les Assassins de l'espace version manga, c'est les ça ? Les Cockroach. Putain. Mais je l'ai fait lire à Terry, Argol et... Ah bien. Ils ont tous adoré. Deuxième trousse de soins. Et mon dieu, c'est génial. Vous vous en foutez, hein ? Hein ? De quoi ? Tu disais quoi ? Ouais, c'est deuxième ça. Trousse de soins. Ouais. On a lu. Et pourquoi tu descends pas à l'échelle ? Parce que j'en viens. Ça va. Hey! Tu vois, c'est le prix? Il y a un truc au plafond. Amène-toi. Je t'attends. Amène-toi. Et ils attendirent longtemps. Ah, il arrive. C'est des longs bras. Lui, il est pas venu pour la chasse. Voilà, bonjour à lui. Alors, on en est où? Je crois qu'il est mort, ça y est. Ladder. Mais alors en fait, qu'est-ce que tu cherches, où tu dois aller? Alors je cherche à sortir des égouts. Et je cherche vraiment increvable. Je cherche bien sûr ma fille. Ouais, mais ça c'est un peu le, enfin la... ah, y en a, le fil rouge du y jeu. Il y a Umbre One qui dit dans les égouts on trouve de tout, même les trousses soins. Après ouais. Qui voudrait se soigner avec les trousses qu'on trouve dedans? Ah j'avoue. Pas forcément les... Je sais pas si j'utiliserai le mercurochrome qui est présent. Alors les cafards survivent à tout pour les questions. Hein. Ouais, même aux attaques nucléaires. Aux radiations, au feu, ça survit à tout. Au manque d'oxygène, à tout. Je sais plus combien de temps un cafard peut vivre sans sa tête, mais c'est assez incroyable. C'est le truc qui enterrera tous, le cafard. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'ennemi dans Terraform Mars. Ils t'ont payé ou... Ah, ils t'ont pas filé sous. S'il y a quelqu'un qui travaille chez l'éditeur de... Kazemanga, si vous voulez. Kazemanga, s'il veut engager Reldric pour faire la promotion de Terraform Mars. Il me semble que c'est Kazé, mais... Oui, ça doit être Kazé. Oh, ben la pioche, une grande histoire d'amour. Eh, tu pourrais... Au prochain salon, tu pourrais faire un cosplay... cosplay de pioche avec la pioche. Mais Bartoi de... Bartaras. Les enfants ne répétaient pas toutes les insultes. Tiens. Alors. Trois semaines sans sa tête et meurt de faim. D'accord. Pas d'autre chose. Et meurt de faim, pas d'autre chose. Ah ouais, quand même. C'est crade. Ben après les explosions, ça détruit... Oui, non, c'est, au niveau de l'explosion, ouais, ça, en fait, ça, comment ça s'appelle Non, par les radiations, bien sûr, l'explosion, ça... Les radiations ne vont pas les tuer après l'explosion, ça brûle tout, donc c'est une fois que c'est désintégré. J'imagine le pas, ça n'a pas une armure. Quoi. Le Carfar Terminator, tu sais. Parce que là, ça me foutrait vraiment les cheveux au côte. C'est clair. Terminator 5 que Hobb attend avec impatience. Ouais, Genesis, moi, le seul Genesis que j'aime, c'est la Mega Drive, hein. Comment peut-on louper des cafards de 1 mètre avec une pioche de 1 m50 ? Ah ouais. J'avoue. Je suis d'accord. Non mais il a pas ses lunettes. Ah écoute. Ouais, c'est là que je suis mort la dernière fois. Oh, une tache de sang. C'est la... Alors, j'en suis au de la vie. Ça va, il t'en reste. Non, sois joueur un peu. Chan, pas mal. En gros, un cafard sans tête, on lui met une perf pour s'alimenter, il vit très bien. Qu'est-ce que je fais ? Je garde la pioche ou... Où je... Ouais, je sais pas. Ouais, j'avais pris le fusil. Mais je vais prendre... Peut-être avec une pelle, ça irait mieux, les gars. Ah, t'es pas encore dans le rouge. Ouais. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, il y a une clé. Va la chercher dans l'eau. Voilà, il y a des saloperies qui viennent. Ils arrivent à 14. J'en suis où ? Ça va. C'est bon, t'es large. T'en as touché un. J'en ai touché deux. J'en suis où ? Ah. Voilà. La pioche est vraiment l'arme du jeu, quoi.
T'es mort contre ça la dernière fois. Ouais mais... Oh là là. Alors Mana, Garm, tu as rien raté. On a ouvert une porte et on est revenu là où on est mort. Ouais donc en fait on a rattrapé... On a vu trois cafards et on a pris une trousse de soins. Enfin Hop a pris une trousse de soins et des balles. On va finir en cafard centipède. Oh mon dieu. Hail to the pioche. Mais carrément. Moi je me l'ai fait. Ah bah putain, enfoiré. La langue, le couteau c'est pour les faire. Ah, Yargol, bonsoir. T'as tué mes frères ? Tiens, meurs. C'est bon. Tu manges ? Ah, tu peux, c'est de la glace fait maison. Et je te dis, y a pas de matière grasse dedans. C'est inadmissible. Quoi ? De la glace à matière grasse ? Y a de la protéine. Alors. Protéine à la glace. Alors. On va repasser par là. Voyons voir. Non, c'est pas par là. Tac. Voyons voir. Je vais aller. Je vais aller tout droit. Parce que je ne suis pas passé par là. Cassez-vous, cafard. Donc voilà, il est dans les... Wow. Il est toujours dans les égouts. À la recherche de la sortie. Voyons voir. Mais pourquoi t'es allé dans les égouts? Qu'est-ce que t'es allé chercher? Un accès au lac. Au lac Titicaca. Apparemment, c'est là. Tu ne retournes pas pour attraper la clé, Je l'ai pris la clé. Tu viens de la ramasser, la clé. Alors, vérifie ta vie. Ouais. Oh, ils m'ont fait mal, les enfoirés. L'écosystème de Silent Hill est quand même géant. On passe son temps à défourailler de la bestiole à tout va, et on trouve toujours des bestioles. Ouais. C'est vrai que ça repeut... Oh, mais l'enfoiré. Je suis dans la merde. Non, tu vas y arriver. Voilà, c'est bon. Crève ! Des coups de pied. Alors, ok. Mais à quoi ça sert cette... Enfin, c'est une pioche, C'est une espèce de... Ouais, de... Parce qu'une pioche, c'est quand même plus long, normalement. Et Argol nous dit, j'ai cramé à la plage. Ok. Salaud ! Vous travaillez pas ? Non, il est avec des amis de Paris, je crois. Ah, attends. Ouais. Il y a deux qui sont descendus. Sauvegarde. Écoute, on va prendre. Attends, tu devrais pas faire une note sauvegarde que si. Ouais, allez. Ça allait est pourri. Ouais, sans vu qu'on a déjà les pots de sauvegarde, on va pas en créer. On peut en créer dessus. Alors. Ah, il est pressé. Sache que t'as un objet pour te soigner, c'est la bouteille. La bouteille. La bouteille de liquide rouge que j'ai ramassé par terre. Je préfère prendre une trousse de soin. Ah, je suis sorti des égouts. Alors. Donc vraiment le petit pavillon américain. Avec l'American Dream. Voilà, avec la cocaïne qui tombe du ciel. Des bouts de piliers avec des fers à béton qui dépassent. Alors peut-être essayer de rentrer dans la maison qui est là. Alors il y a Yargol qui me demande, il y a du sang. Ses copains, on y va tous au héros je sais pas quoi en novembre à Marseille. J'ai strictement aucune idée. Ouais, je n'ai pas entendu parler. J'ai vu que Fred y allait parce qu'il y avait une demoiselle blonde d'un blog qui l'avait tagué parce qu'il serait avec Kayane. Et... Ah, mais c'est. Flowy, Colby, truc, Flower. Oui, d'ailleurs, elle était au GoPlay One. Cette blogueuse. Alors, tac. Et donc je sais que lui y est parce que là il y a Kayane et la dame demoiselle. La dame. La madame. Je sais pas s'ils sont mariés donc là. Il y a la madame qui vient.
Il y avait un plan juste donc, derrière. Il y avait un plan juste derrière. Ouais, là à gauche. Et moi je savais même pas que c'était en novembre déjà. Voilà. Maintenant je pensais que c'était en septembre. Tu as un plan? J'ai une partie d'un plan. J'ai 12% d'un plan, c'est toujours un plan. Après ça dépend si on est motivé le week-end. Oui, bon, ça sera, je pense. Si on y va tous ensemble, parce qu'on n'ira pas à 5 voitures. Je vais aller au lac, je dirais. On vous ramènera des consoles pour. Si on y est, en tout cas, on vous ramènera des consoles pour que vous jouiez et on fera sûrement un tournoi, un concours avec des lots à gagner. Certainement. On a encore tout un tas de lots de Pixel 9 à faire gagner. On a aussi la Nintendo League. Moi je ne suis absolument pas au courant de quelque chose qui se passe. Pas par là. Ah écoute cette douce musique, Hob. Oh merde, un pterodactyle. Et non, la bouteille finalement ce n'est pas pour te soigner. Ouais, et le pterodactyle aussi c'est pour me soigner. Couteau. Ok, on va aller tout droit. Hein. Et tu sais où tu vas? Aucune idée. Faut tu sais, les trottoirs, tu sais où tu dois aller? Je dirais au lac. Hop, salut! Zigzag! Arrête de bouger, il te verra plus. Bah, c'est ça. Sa vision est basée sur le mouvement. Si tu bouges pas. D'ailleurs, tu as vu que l'acteur qui joue. Enfin, l'acteur réalisateur qui jouait John Hammond est décédé en début de semaine. Après, il avait 90 ans, hein, le monsieur. J'ai dépensé sans compter. Oh, oui, il y a aussi. Une image que je voulais te montrer qui peut te faire encore plus peur que Silent Hill. Quoi, c'est une image du nouveau film Tortue Ninja? Superman qui fait un ice bucket. Tu dis ça, mais tu vas le voir. Tu vas aller le voir, Tortue Ninja, le film. Moi, j'irai le voir. Ah, cinématique. What's this? Émotion. Oh. Oh. Oh merde. Ouais. De vraiment jouer à la PT. À PT? Mais j'ai pas de PS4. Non, mais même chez Fred, n'y joue pas. Ça, j'y jouerai pas. Bon. Il y a joué avec les enfants à côté. Et tu veux avoir. Non, regardez pas. Mais vous parliez aux enfants tu ou veux, tu veux avoir encore plus peur, Rob? Quoi? Oh merde, c'est pas officiel. C'est pas une image officielle. Non. Alors. Pas vous montrer parce que ça va rien rendre, mais en fait tu peux approcher la caméra. C'est un dessin de Jason Momoa, donc l'acteur qui joue Khal Drogo dans Conan le Barbare dans le dernier film, donc Khal Drogo dans Game of Thrones, qui est dessiné sous les traits de Aquaman parce qu'il a été casté pour faire Aquaman. Il y a un bon dessin là-bas. Je trouve ça trop classe, moi j'ai trop envie de le voir. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais absolument pas où je vais. Voilà, mais si vous cherchez Jason Momoa Aquaman sur Google, vous devriez le trouver. Le dessin est pas trop mal, hein, attention. Oui, il en a peur. Ouais, après, j'allais dire comme acteur, il est meilleur que Jon Snow. Hors pas le chien. Jon Snow dans ses autres films notamment il joue non, l'acteur qui parle l'acteur qui joue comment il s'appelle déjà Jon Snow joue dans Silent Hill 2 dans Silent Hill 2. Et moi je l'ai pas eu dans Silent Hill 2, je l'ai vu dans Pompéi. Et dès qu'il ouvre la bouche tu fais non mon dieu. Il a été casté pour le méchant des gardiens de la galaxie, on me dit. De quoi, Jason Momoa J'étais pas au courant en tout cas. T'as l'air à se coucher toi. Alors par contre c'est Vin Diesel donc qui joue l'homme arbre Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Il a été casté pour jouer chez Marvel, toujours chez Marvel, Flèche Noire qui est le roi des Inhumains. Et Flèche Noire a une... Qu'est-ce donc que les Inhumains? Alors les Inhumains c'est une sorte de race mutant qui vivent sur la face cachée de la Lune. Et, comme dans Iron Sky les nazis zombies. C'est ça, et la particularité... Je suis en train d'un bateau. La particularité de Flèche Noire est qu'il est muet. Donc voilà, Vin Diesel, où il dit une seule phrase où il est muet. Merci. Revenons-en au bateau. Ça a l'air dégueulasse à gauche. Il y a un cadavre cloué sur la cloison. Oui, donc c'est dégueulasse. Un cadavre, ok, ouais. Ben, on n'avait plus de tableau, alors...
C'est Aaron bon. Sky. Ah, la flic. Harry. Ah. Il a fait la croisée de Sramuse, là. Il va y avoir du hum hum. Il était passé par où? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. Émotion. J'étais inquiet. Where did you disappear to? Dans les égouts? Là où t'étais, où je t'ai pas vu? I want to know what's going on here. What is with this town? Mais t'es flic ici? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy. I'm not fooling around. Quand tu vois sa gueule, tu te demandes. First, I thought I was losing my mind. Ouais, il est convaincu. Hein? But now I know I'm not. Ouais. Just not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. On me disait que Robert Downey Jr. ne signe plus chez Marvel. Little by little, the invasion. Ouais, il y avait une histoire il y a 6-7 mois. Trying to swallow up everything in darkness. Si, il a re-signé. Il a re-signé, ouais. Beginning to understand what that lady was talking about. Par contre, c'est Captain America. Hold on a minute. Chris Evans, lui, il va arrêter sur. Ah bon? Look, il a trop gonflé. Il a encore gonflé sur les trucs. I guess I can't explain. Plus musclé que Thor. Sérieux? Well, what's making this happen? C'est horrible. La drogue, peut-être. I don't know that either. But I do know Cheryl is there. Ouais, à mon avis, il l'a inventé, Cheryl. S'il faut, elle n'existe même pas. Il est fou. En fait, il avait joué à Resident Evil 4. Elle était là. Cheryl dans le dos. Somewhere and she needs my help. C'est la petite fille dans le dos, Cheryl. Ah, je confonds alors avec la fille du président. Mais c'est la même, je crois. C'est pas la même. Ah non, je pense pas que c'est la fille du Dr. Birkin d'un côté. Ouais. Ah ouais. Celle du 4 et du 6, c'est la même. Mais. Sybil, I. Ah? The demons en fait, c'est la réunion là, ils sont tous les mêmes endroits. En tout cas, toi, tu galères pour arriver en vie, t'as la vieille qui passe, en plus, elle a une cravate. Après, il y a Iron Man 4 de prévu, si je me trompe pas, dans la phase 3 de Marvel, donc il sera encore là. C'est un peu la phase 3, ils sont tous un peu beaucoup vieux. Qu'est-ce que tu penses du jeu, toi, Valdric? Il est vieux quand même. Il a vieilli, hein. Il est bien. Après, c'était les précurseurs vraiment de la peur. Après, moi, j'ai pas testé les premiers Alone in the Dark. C'était dur. Hein. Resident Evil, ça fait pas vraiment peur. Je vois l'époque. Silent Hill était beaucoup plus flippant que Resident Evil. Plus malsain. Le Resident Evil restait un peu dans les. Dans le Scary Movie en fait, grosso modo, ça faisait quelques Scary Jump, mais ça restait dans les lignes du film de série Z un petit peu. Et pour voir du film d'horreur classique. Silent Hill 3, bon, était plus beau, mais. Ses textures, c'était vraiment crade. Ok, tout le monde va mourir, sympa. On s'en fout, cette petite connasse. Stop the demon. Ah bah voilà, voilà, facile. Simple. The demon take the pick of destiny. En forme de cet enfant. Ah mais c'est ta fille. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Ah, ils vont violer une vierge. Before it is too late. Stop it. Stop it. Comment ils ont casté les acteurs? Go to the lighthouse on the lake. Voilà. And to the center of the amusement park. Ah, on va aller au parc. Putain. Make haste. You are the only hope. Ah, ah. Look, Harry. On va se séparer, faire deux groupes de 1. C'est ça, faire trois groupes de 1. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. Faisons l'amour d'abord. You go to the lighthouse. Voilà, on se sépare. Oui, très très bonne idée. Et je vais rouler des fesses pour entière. Thanks. Oui, Hob, amène-nous au parc. Mais c'est vrai qu'elle roule du. You need to use it. Use what? Ouais, c'est dans Silent Hill 3, effectivement, qu'il y a un parc d'attraction. Je me souviens plus trop, mais. Only with that can you stop it. Le Floros, on dirait que c'est un Pokémon, tu sais. Bah, Sybil aussi, ça fait Pokémon. T'as entendu? Oui, un bruit. Ça fait. C'est quand elle est partie, j'ai peur pour Sybil. À mon avis, on va retrouver Sybil clos au mur. Des balles de pistolet, ok. C'est Meryl dans Metal Gear Solid 1. Belle fusil. Meryl Silverberg.
Et ça nous dit ils ont engagé ceux qui acceptaient de faire des heures sup pour tourner dans un porno. C'est vrai. C'est au niveau de, au niveau du les comédiens de doublage, c'était pas les mecs les plus enjoués. Hein. Oui, pour Silent Hill 3, alors je me souviens plus du nom, mais l'héroïne est une blonde. Mais c'est pas Cheryl. C'est pas Cheryl qui a grandi, il me semble. Je vais vérifier. Je sais. Je me souviens vraiment plus du jeu. Hein. Alors. Il y avait pas de la lumière là. C'est moi qui éteins la lumière. Ah. Tu as cru hein. Pas t'as cru. Ouais. Alors, on va prendre le flingue. On va le recharger. Non, c'est Heather Mason. Ah, bah écoute. Mason ? Ouais, Mason. Ah, bah regarde, c'est Sibyl, elle est clouée au mur. J'ai peur qu'il bouge du moment. T'inquiète, il bougera. Après un terrible cauchemar, Heather se réveille dans un bar de centre commercial. Ok. Tout a changé. Sympa, c'est déjà ça, ça sonne déjà. Alors, il faut que je tourne à gauche et que je descende. Pas par là, apparemment. T'as de la chance de pas pouvoir tomber dans l'eau, je pense. Ouais, parce qu'en plus, ils savent pas nager à tous les coups dans ce film. Les chiens. C'est comme dans les premiers GTA quand ils les ont fait sur PlayStation 2. Les personnages ne savaient pas nager. Assassin's Creed, je crois aussi. Ah ouais? Ouais. Si je tombais dans l'eau, il me semble que dans le premier, peut-être dans le 2 même, je mourrais. Alors après, sinon, on a dans Metal Gear Solid 1 où au début, on court sous l'eau. C'est parce qu'il est lourd. Il sort de la base en plutôt, il rentre dans la base en nageant. Mais... C'est ça. Alors. Comment ? Oh bah démerde-toi, attends, on va pas non plus tout te dire. Hein. Ouais. Si tu tombes à l'eau, un chien va te chercher. Alors on va essayer de passer par l'autre côté du bateau. On spoil Silent Hill 3, mais on a rien vu. Ah bah c'est cool. On a pas spoil ? Non, c'est pas non, nous, c'est gens sur le chat, j'imagine. Oui, Assassin's Creed Unity a été retardé de 2 semaines et ça m'a rendu. Oh, quel dommage. Oh là 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 là. Alors par contre, Metal Gear 5 va peut-être sortir en 2014. Il y a une bouée, je ne peux pas passer. Bah non. Dans Resident Evil 3, à un moment, il y a un pot de fleurs et tu peux pas passer, alors... J'ai pas fait Nemesis, je crois que c'est le seul que j'ai pas fait. Ok, après je passe, putain... Alors, reviens peut-être un petit peu... l'autre côté du ponton. Attends, peut-être par ouais, là. Ouais, Assassin's Creed Unity sortira en même temps que Assassin's Creed Rome. Le jeu dont personne ne veut. Non, tout l'Assassin's Creed, personne n'en veut. Attends. C'est une des plus grosses licences... jeux vidéo maintenant. C'est peut-être une des plus grosses, mais c'est peut-être pas une des plus intéressantes. Ah. En même temps, j'allais dire GTA, c'est pas intéressant. Mais ça Ah si, c'est plus intéressant GTA. Il y a pas d'histoire. Ah si, il y a une histoire. Pas plus intéressante que dans Assassin's Creed. Je vois un petit peu, je t'avais sûr qu'il y a une histoire GTA. Bien que l'histoire d'Assassin's Creed s'arrête dans le 3. Hein. Après, c'est... Alors, là vers où je me dirige? Ok, pas du tout. Oui, le syndrome Pokémon est largué de 5 cm, tu peux pas m'enjamber. Une grosse caravane. Qu'est-ce que je fais? Va à gauche, non, à gauche. Alors c'est... Attends. Essaye de longer... Black Flag. Longer le... Putain, je sais plus dans quel sens t'es là. Attends, j'ai... Ça se passe entre Black Flag et Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3. Ah. Ok, là t'es revenu. Alors maintenant... Ah merde. Oh putain. Oh putain. Ouais, y'a une tortue qui vient se faire dessus. C'est un macaque. C'est un macaque. Ouais, c'est une espèce de singe. Plus le ptérodactyle, ça commence à faire beaucoup. Mais ça va, t'as de la boisson vitaminée. Ah, tu vois, ouais. T'essayes vraiment? Ah ouais, j'essaye, attends. Vous êtes mort. Peut-être que ça... Et on approche de la fin du jeu. Oui, on doit être aux 2/3 du jeu. Allez, reviens. Peut-être genre au chapitre 8, petit.
C'est bon, il est mort. Bon, Hyrule Warrior, je suis pas sûr qu'il tabasse. Il a fait baisser les ventes de la Wii U. Donc, sérieux? Tu peux pas faire baisser les ventes de la Wii U, toi. Non, si, si. Ça, en fait, ça a baissé. En fait, tous les consoles ont baissé au Japon au mois d'août. Ça a chuté le marché. Mais le jeu est pas sorti encore? Si, si, au Japon. Si, au Japon, il est sorti. Il est ultra buggé. Et la console se vend encore moins. Et alors, par contre, le. Mais ça se vend plus qu'une PlayStation 4. Hein. Et le pack. PlayStation 4 se vend encore moins qu'à Wii. Et le pack collector de Hyrule Warriors en Europe est vendu avec une écharpe. Donc je pense que Terry va avoir une jolie écharpe de dans quelques temps. Bah, Bayokana. Alors. Ah non, mais redescend, ah, mais il longe. Et pour revenir à Assassin's Creed, je crois que le 3 Unity, en fait, c'est une histoire. Je crois que c'est genre la France qui donne les sous pour la révolution. À droite et longe, non, pas à droite. C'est, ça se passe en même temps, c'est une histoire comme ça. Tu vois, et longe à droite, Pokémon là, Pokémon Tournament, c'est Pokémon. À droite, voilà. C'est Tekken version... Attends, est-ce que... Non, là j'en viens, d'accord avec moi. Et là je longe. Voilà, longe ce mur à droite. Ah bah non, elle part pas, il y a des gens qui ont dit... D'accord. Ah, c'est peut-être Argold qui part pas. Ah, ils sont là enfin. Ouais, alors, attends. Tour d'Akibar-toi. Fred n'est pas là parce qu'il fait l'anniversaire de sa fille. Ouais, d'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire à la petite. Ouais. C'est Pokken, ouais. Pokémon est écrit. Voilà, j'ai longé par la droite. Bon, bah maintenant, on longe par l'autre droite, hein, écoute. Et non, retourne dans le bateau. Non, c'est ça, retourne dans le bateau. Il y avait une autre porte là où tu étais. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi tu étais pas sorti par là. Enfin, le bateau. Bon anniversaire, bah, merci pour elle, hein, mais. On lui souhaitera un bon anniversaire. Elle est pas là, on lui dira de votre part. On enregistrera la vidéo et quand elle aura 18 ans, on lui montrera. Alors. Là, ça c'est une autre porte. Oh putain, le truc de tu merde. Tu as vu, il y a Poulpi sur le chat. Poulpi? Ah, Poulpi. Ah oui, bah il va bientôt avoir une. Mais ce n'est pas terrible. Ah, c'est pas terrible. C'est notre Poulpi de la garde. C'est vrai? Ouais. Ah, il m'a suivi! Ça fait avoir la dernière fois. Bon, je suis mort. Ah. Qu'est-ce? Ils ont dû passer une aperçue par Henrik. T'es tombé dans l'eau? Alors, je sais pas, ça a bugué. J'ai loupé un morceau, oui, redites-le moi. Hein, c'est... Ça a bugué. Ça disait quoi le message? Je sais pas. Alors, est-ce que vous avez vu, je pense que Reldrick a dû voir ça, aux États-Unis, il y a une fillette de 9 ans. Ah oui, qui a, bah, on va se passer une info à midi. Qui a abattu son instructeur. Oui. Avec un Uzi. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce en que tu payes autant de vent, elle tire. C'est. Bah, que ce soit autorisé. Attends, prépare, il y a le truc qui vole. C'est quelque chose, mais à 9 ans, faut pas déconner. Okay. Il est pas énorme celui-là. Non, ça perd pas. Et pour venir à Hyrule Warrior, il est sorti je crois début août ou mi-août. Comme le Pokémon? Non, Hyrule Warrior, le Zelda. Non, mi-août. Ok, c'est pas grave. Oui, moi je l'ai eu la blague, mais je préfère pas la relever. Non, je dirais. Mi-août, oui, la guerre! Et putain, mais oh! Alors, ils disent sérieux, Jorus, sérieux? Ah ouais, c'est. Ah oui, non, pour la fille, pardon. Pour la fille, tu vois. Oui, regardez les infos, c'était passé à midi, c'est sûrement passé ce soir. Mais le pire, c'est que c'est filmé, enfin, une partie de la vidéo qui est filmée. Hein. Oui, ils ont montré que le début, juste avant quand elle fait les premiers tirs et pas quand elle. Heureusement, je dirais. Allez, petit, il est où? Voilà, presque. Allez, pour Hyrule Warrior, donc il est sorti. Et là, n'ont absolument pas gonflé d'un iota. Et mi-août, tous les ventes ont chuté de 50% pour tous les consoles. Oui, mais parce que c'est l'été, ça doit être les. C'est quand c'est pas c'est, les. C'est passé de 50 000 à 25 000. Après, moi. Oui, en fait, t'as une sorte de. Je sais pas si c'est la Golden Week, hein, mais. T'as l'équivalent d'une Golden Week, t'as une pause, t'as le Shonen Jump, tous les trucs au Japon. Alors, ils sont en vacances, ils n'ont pas de sous. Moi, je suis possesseur d'une Wii U, oui, c'est vrai, je ne sais pas vraiment pourquoi encore, mais c'est pas un jeu que j'achèterai. Hyrule Warrior. J'ai jamais joué à un Dynasty Warrior, c'est pas des jeux qui me plaisent. Ouais. Donc, d'ailleurs, est-ce que t'as déjà joué au Gundam Dynasty Warrior Reldrick? Ils ont fait ça? Ils ont fait en démo. Ouais, ils ont fait. Il y en a plusieurs, hein, il y en a deux. Oh, mais Gundam ça marche toujours très bien au Japon. Hein. Mais alors j'ai essayé celui-là et après j'en ai essayé d'autres qui étaient des Binzamon mais pourris. C'est vrai qu'il était moi, franchement, je l'ai pas trouvé terrible. Par contre, le Sengoku Basara était génial. Hein, il y a le Ken qui est pas. Dynasty Warrior.
Mais c'est Sengoku Basara. Ça existe aussi en animé, c'est génial. Il y a le Ken qui est pas terrible aussi dans ce genre. Le Ken était à assez moiseur. Assez moi quoi? Moisac. Oui, Moisac. Moisac. Comme le Mazak, mais en Moisac. À quand Nikita et Ostinger, ma fille pose des clés mortes dans le jardin. Alors, prendre le flingue, est-ce qu'il y aura... garder le fusil pour les boss ou quoi? Alors non, c'est pas... alors là, j'ai raté le début, mais c'est pas dans une classe. Hein, c'est un instructeur sur un champ de tir hein, que ça s'est passé. C'est pas dans une classe, c'est pas un instructeur. Oui, c'est ça, c'était sur un... C'est un champ de tir, c'est un instructeur qui tenait la gamine. En fait, je pense... Mais au lieu de tenir l'arme, il était juste à côté de la gamine, au lieu de... T'entends, reviens. Oui, non, mais elle s'est pris une balle perdue, et en fait. Et l'Uzi a monté et a dû lui exploser la tête, je suppose. Pardon. Je l'ai pas vu, je la verrai pas de toute façon. Donc voilà, déjà ne regardez pas la vidéo et après ne donnez pas des armes aux enfants de 9 ans. Donnez-leur alors, des. Si on fait une lance ou Atlas. Non. Alors Atlas, il faut que je lance sur le. Et c'est sur le PC. Bon, c'est les mêmes bestioles. Oui, c'est un accident, c'est pas fait exprès. Donnez-leur des 3D SDS aux enfants. Des Uzi. C'est vraiment con ces macaques. Ouais, donc Hero Warrior n'a absolument pas relancé. Mario Kart a relancé pour un mois. Hero Warrior n'a absolument pas relancé du tout. Alors, mais Smash Bros, hein, Mario Kart a lancé des DLC par contre. Oui. Pour l'année prochaine. 2015. Putain! Non, il y en a un qui est disponible dans plus de temps. Il y en a un qui est disponible jusqu'à au moins pour un an de DLC. Non, il y a deux DLC. Il y en a un qui sera. 3 ou 4. Non. Non, il y a deux DLC. Il y en a un en fait qui est gratuit, c'est les Mercedes, donc que tout le monde va avoir avec la mise à jour de Mario Kart. Après, il y en a un qui va arriver dans quelques temps avec quatre nouveaux personnages, des nouvelles couleurs pour Yoshi et oui, le Mascas. Genre 7 circuits ou et 8 circuits. Des nouvelles couleurs ? Ah, c'est trop bien ! T'as quatre personnages et après t'as des couleurs pour les Yoshi. C'est pas cher. Alors c'est... Ah non, effectivement, tu as que deux DLC. Putain, c'est... Tu as 6 personnages, 8 véhicules et 16 courses. Ouais, mais divisé par deux. Un DLC qui... Un en novembre et un en mai. Voilà. Je vais vomir. Oui, il va y avoir Link dans Mario Kart. Et il va y avoir entre le... Le F-Zero, le vaisseau de Captain Falcon. Oui, ouais. Link, F-Zero, et après je... Les Mercedes. Tanuki Mario. Il y a Catch Peach, le villageois d'Animal Crossing, Marie d'Animal Crossing et Dry Bowser. Je sais pas qui c'est comme ça. Je tourne en rond. Il y a un boss ici. Un jeu. Eh, tu es presque. Sûrement au bout du port, il y aura un truc, il y aura un boss. The Crew, on n'a pas de cascade, on n'a pas testé le jeu. Quel jeu? Un jeu de course d'Ubisoft. Ah non. Et là, ils ont lancé, j'ai vu une nouvelle vague de bêta. Je pense que dans l'équipe, on est peut-être pas très jeu de course. Non, je fais très bien la tonne de Zagazon, moi, dans le jeu de course. J'ai fait Need for Speed Underground. Alors que je ne suis. Need for Speed, mais on est Underground. Alors, je ne suis absolument pas tuning, mais le Need for Speed Underground était vraiment très sympa. Musicalement, il était très sympa en plus. Moi j'ai arrêté à partir de cela en fait. Par contre j'ai pas fait le 2. Alors tu ne vas pas dans le bon sens. Je regarde, y'a pas une trousse de soins pour 15 coins. Alors dans le dernier live on était sorti de l'hôpital je crois. Ouais, là il y a une musique qui me plaît moyen. Puis on était rentré dans les égouts, on a effilé là, on a fini les égouts. C'est moi ou tu viens me piter Hob? Ouais. Un gros bisou au Kana et je bute un chien. J'ai l'impression d'être dans un Camoulox. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu joues au Camoulox. Et il y a une porte. Je mange des cannelés et je défonce un macaque. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez dire bonsoir au Kana. Gaëtan qui parle. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Et arrête de faire des chansons. De quoi? C'est pas Gaëtan Roussel, pardon. Il n'y a pas une fille une trousse de toilette, j'allais dire. Mais t'en as une de trousse de soins, t'en as ramassé. Je viens d'utiliser. Ah, bon. Je suis dans le phare. Je suis dans le phare, je répète.
merci pour le bisou de chien. Vas-y, sauvegarde. Merci pour le bisou de chien. Ah si, je sauvegarde. Non, allez, sois joueur, sauvegarde pas. Tac, je sauvegarde. It's okay to have a right. Ok. J'aurais pas dû te dire que tu devais retourner dans le bateau. C'est clair. Ça aurait été marrant. C'est marrant comment ils ont fait. Ah, c'est toujours quand même assez. Dans les jeux Konami, c'est toujours cinématographique quand même. Ouais, sa façon de monter est très cinématographique. Oh putain. Oh mon dieu. Ça sent le boss. Ça sent pas bon. Ça pue du fion. Damn, I was too late. Tu vois, en même temps avec ton carré. On va chercher qui est Edouard Alric ou. Ok. Non, reviens. On va pas dans le noir. Ouais, y'a Sparadrag, guilde de noob. Salut Sfred. Et où je... Il a dit bonjour plus haut. Qu'est-ce que je fais? Il y a plein de gens qui disent bonjour. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Fred, on a peur, viens. Ah si, je sais. Oh bah peur. Je vais utiliser le Pokémon. Le liquide rouge. Le Pokémon. Ah bah oui, le Floros. Mais c'est quoi? Ah, c'est le cube, le Floros. Enfin, la pyramide. Ouais. Essaye le... Je peux pas. Radio. La hache, le pit biche. Essaye le liquide rouge. C'est le liquide rouge. Pentacle, liquide rouge. Ouais. Ça va bien. Hein. Alors maintenant, va dans le noir et essaye d'utiliser le Floros. C'était un faux Fred, il a juste dit bonjour une fois et il est parti. Vas-y, essaye d'utiliser le Floros. Mais ça fout les jetons. But et mode d'emploi inconnu. Laisse tomber, tu peux t'en aller. Sérieux? Merde. C'est un œuf de pyramide. Ah non, attends. C'est un œuf. En fait, y'a rien à faire ici, on me dit. Oh putain. Bah va au parc de loisirs. Ouais. Pour retrouver Sibi. Et en fait on est descendu jusque là juste pour voir un fantôme. C'est ça. Et se faire attaquer au retour sûrement. Non, ça m'étonnerait. Allez, let's go. Tous à moi. Y'a rien là. Non, y'a rien. Je trouve qu'il tire vachement mieux qu'au début. Bah, il a pris de l'expérience, donc c'est maintenant ça. Il est skillé. C'était quoi ce bruit? Une porte. Ah, je suis retourné dans le bateau. Comment? Sybil hasn't come back. Mais... ça t'étonne? That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Donc nous partons bien au parc de loisirs. Ouais. On va à Magic World. N'empêche, s'il y a autant de blessés qu'à Magic World, c'est bon. Ouais, ça serait un bon endroit pour une apparition de démons. Alors. Bon, là, ils sont tous partis sur Pokémon. Hein. Ah ouais? Le Pokémon poisson? C'est le seul qui doit tenir son micro. Non, Jorus tient son micro également. J'ai mon pied de micro, mais c'est parce que alors, c'est quand je... Alors, est-ce que tu veux qu'on déclenche la guerre sur le Chan? Alors c'est simple. Putain. Moi je pense que... Attends, comment ça s'appelle déjà? Je pense que Digimon c'est mieux que Pokémon. Alors il y a un nouveau Pokémon, plutôt un nouveau clone de Pokémon qui est sorti en France dans pas longtemps. Ouais. Qui est sorti au Japon. On est déjà à 2 ou 3 jeux. Il y a l'anime, il y a tout le cross-média. Déjà, et ça s'appelle comment? J'ai reperdu le nom, mais c'est un. Les Shikimon. Et c'est. En fait, c'est avec des yokai. Yokaimon? Yokai, c'est des démons. Ou des esprits démons, et tu les trouves, et voilà, c'est facile. Il y a une musique que j'aime pas du tout. Je regardais le gameplay, c'est. T'inquiète, c'est juste une moissonneuse batteuse. Avant, je crois que tu as trouvé le parc d'attraction. Hérétique Jorus. J'en étais sûr. Attends, Team Pokémon. Ah, les Team Pokémon, voilà, c'est ça. C'est ça.
sont les Team Pokémon, tu peux tous les collectionner dans ce. Vous en foutez, mais j'ai évité le chien, mais d'une façon. Dans le bâton de la vérité, tu dois tous les chercher, c'est une quête annexe. Les Team Pokémon, l'épisode pour de South Park. Un trophée. L'épisode de South Park. Ah, il. Y a Sibyl. Ah, High Lord Helix. J'ai un t-shirt Lord Helix à la maison. Comme elle avance prudemment. Sibyl. Ah, et elle est tombée. Quoi? Elle était accrochée au mur, comment elle a pu tomber? Et là, il va la voir tomber. J'aime pas du tout la marque par terre. Alors Digimon était très bien au début, mais c'est pas. Allez, on retourne dans les égouts. Sans Digimon, ils ont jamais fait la suite. Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant. Est-ce que tu as fait attention à la fiche que j'ai fait pour aujourd'hui? Oui. Oui, donc t'as vu que j'ai mis les Tortues Ninja? Non. Quelque part sur la photo se cache une Tortue Ninja. Même 4. Non, j'ai vraiment. Ah, hop! La sauterelle! Je récupère le marteau! Marteau de Thor. J'ai trébuché à ce que je suis un personnage secondaire. T'es sérieux là? Attends. Ah, il m'a mis 2 griffes par derrière et tout, tu sais, genre. Je vais apparaître aux égouts ou je rapporte au bateau? Resident Evil. À chaque fois, je. Aux égouts, aux égouts, aux égouts. Ouais, ça. Alors. Alors, nous sommes. C'est pas là. En même temps, est-ce que j'ai une petite boisson vitaminée? Non, j'ai mon cul. Alors, voyons voir, nous sommes là. Bah, c'est tout droit, c'est simple. Enfin, l'entrée pas très écœurante pour le parc d'attractions. On sent que tu as envie d'y jouer à Resident Evil. Ouais, pour reprendre ce que dit Quartis, moi ce qui me choque, c'est surtout c'est la taille des égouts. C'est une petite ville, les égouts, tu peux y mettre des ville entière. Tu vois, une ville entière quoi. C'est, tu peux cacher des tanks dedans. Eh hey, merde! Alors, s'ils avaient eu ces égouts, Adric, tu pourrais ne pas nous faire partager tes nanars cinématographiques. C'est au cinéma que tu aimes. Oui, mais ça doit être de la MERDE. Non, avec Richard Armitage, le héros de The Unit. Ah, tu l'avais pas tué. Putain, foire. Eh merde! Putain! Oh. Ah mais en plus il reste comme un salope, comme une salope quoi. Eh, hey, je te chope par où? Alors, voyons, continue. Silent Hill. Kung Pao en nanar, oui. C'est... Comment c'est les Shippy Pokémon? Les Shin Pokémon. Les Shin Pokémon. Ça marche aussi avec, enfin je trouve que ça fait nom de chanteur RMI français. Chez les Chipmok Pokora, tu vois, comme ça. Ouais, je sais. Tu peux trouver toutes les figurines. Par contre, dans le jeu, après, tu peux avoir un ami, les animaux de la forêt, sur Facebook. T'as un compte Facebook où tu rajoutes tes amis, tu vois. Al Gore, tu vois, plein de monde. Meilleur jeu du monde. Avec l'homme au sport. Et ben, il te propose de le chasser, il t'envoie plein de mails. L'homme, mi-homme. Fail en folie. Hop, perd le mojo. Se viole. C'est clair, mais. Tu t'es fait violer par des coléoptères. Mais t'as combien de temps de jeu? Il en reste combien? Bah, je pense que pour les 360 minutes, c'est niqué. Ah, par là. Oui, on est au-delà. Hop. On est à. La 6ème? Ouais, 6ème heure de ah, jeu. Ah non, c'est la. C'est la 7ème. 7ème heure de jeu? Ah, il me semble bien que ça, c'est la 7ème. Bien. Ça, j'adore faire des câlins aux monstres. Et il devrait rester. Après, ça dépend comment on se débrouille. 4 heures, grand maximum. Parce que j'ai été présent pour la première et la deuxième heure. Et pas pour la. Vous l'entendez, c'est la 9ème heure. Non, c'est un film, non. Ça. Ça vient me porter. Je prends pas les balles. Alors, j'arrive à 22h, on fait une coupure. Oui. 22h, oui, ça. On fait une coupure et après, on reprend jusqu'à 23h. Une coupure de peut-être 1 minute, grand maximum, 2 minutes, je sais pas. Coupure. Hop, on relance de suite. Oh, une minute, histoire de faire le plein. Alors. 8ème heure de jeu, on nous dit.
Non, là, c'est la 7ème puisque ça fonctionne par paire. On fait toujours 2h, 2h. Ah oui, mais avant c'était quoi? C'est rassurant. Dark Souls en 360 minutes, c'est faisable. Oui. Oui, parce que le speedrun est en 20 minutes ou un truc comme ça. Mince. Alors, c'est pas là où ils font tomber les boss dans le vide? Si. Ici, c'est Dark Souls 2, je crois. Mince, je commence à paniquer, je me trompe de bouton. Après, ok, je crois que c'est... qu'on soit capable de le faire aussi. Je crois que c'est là où il y a la croix qu'il faut aller. Une fois, vous avez fait qu'une heure. Oui, plusieurs fois, même au début, on ne faisait qu'une heure. Ouais, on s'est dit qu'après deux heures, c'était pas mal. Vous allez poster cette vidéo de une heure. Waouh. Ça fera la 8ème heure et la 9ème heure. Fous-moi la paix, toi. Et mince, c'est que c'est bouché, là. Ouais, ok, mais je vais où, là, si c'est bouché? De l'autre côté. Où ça? Mais c'est de là d'où je viens? Non, tout est en bas. Dire je passe à... je traverse la passerelle, je descends à droite, à gauche. Ouais, juste en bas là. Ça, je pense que là il faut... Non, reviens. Et là, va à droite du personnage. Il fouille hein. Putain. Je suis cagué là. Aldric, tu vois où trouver les modes de Skyrim. Mais pourquoi on me parle de Skyrim? Ah, parce que en fait, non, c'est moi qui parlais avec le compte de Aldric tout à l'heure sur le chat. Je me suis enfin soigné, sauvé de GTA V, et là j'ai commencé Skyrim. Donc, alors moi j'ai pris Skyrim sur. Comment ça s'appelle? Sur Steam. Donc en fait, il y a le Steam Workshop qui me propose tout. Ah, bon, vraiment bien les murs. Qui me propose ouais, tous les... Ça m'aide à me guider en fait, mine de rien. Ça sent la mort. Ouais, ça sent la mort. Ça sent les égouts aussi. Donc Steam Workshop propose tous les mods pour Skyrim. Ça, c'est bien ça. Mmh. Et notamment, ils ont fait un et DLC. Ils en vendent aussi. Bethesda a fait un mode pour les textures HD de Skyrim pour rendre le jeu beaucoup plus beau. Mode qui est gratuit. Hein. C'est le mode dès que tu mettais en communauté invisible dans un bâtiment, le jeu passe entièrement noir. Sympa. C'était un très bon mode. Alors là, il y a eu une news assez marrante. C'est Electronic Arts qui a dit que le dernier SimCity 2013, on ne pouvait pas agrandir la taille des... Oui, celui sorti en 2013. On ne pouvait pas agrandir la taille des villes. Et en fait, il y a des modeurs qui ont réussi à agrandir la taille des villes. Il y a deux modes, un de l'année dernière, un de cette année. Et là, on se dit que certains éditeurs se foutent vraiment de la gueule des joueurs. Je veux traverser, moi. Bah, saute. Bah, reviens là où tu disais. Là où je disais pas moi, mais là où tu disais toi. Si vous avez compris. Ouais. Et oui, désolé pour ceux qui piratent ces jeux. Skyrim coûte en 2,50€ sur Steam pour en période de sol. C'est ça. C'est Bah écoute, ouais. Après, des fois, c'est aussi bien d'acheter les jeux neufs pour. Comment on s'appelle? Neufs? Oui, non, okay. je parle quand ils sortent. Après, à plein. Ils sont neufs. Si vous voulez, des fois, si vous pouvez. T'as trop couru. Tire. Top Garou. Prends un fusil, tire. Ouais, parce que fusil ou hache, ça passe à l'âge. Développer les jeux, c'est un travail quand même, et c'est long, c'est un coup. Donc, les animés, les mangas. Ouais, voilà, c'est après, moi, il y a des choses que je regrette pas d'avoir payé plein pot. Le dernier GTA, il m'a fait 10 mois, je regrette vraiment pas l'achat. Ça va avoir 3 ans. Voilà, 3 ans. Les hommes taux. Mais alors, il y aurait pas un truc à faire avec les statues? Bah, c'est ce que je regarde, mais. Essaye de taper dessus. Alors, certains jeux comme The Forest méritent de payer pour. Alors, The Forest, moi j'ai pas essayé, j'ai un ami qui l'a essayé. Il y a absolument rien à faire dedans. Est-ce que c'est pas juste de la survie? Si, c'est un survival. Voilà, mais. C'est en fait un avion qui s'écrase
C'est très beau, par contre, je trouve le jeu très beau. C'est, il s'écrase et t'as des genre des trucs un peu comme les autres dans Lost, hein. Des humains ou je sais pas trop ce que c'est qui peuvent t'attaquer. En fait, on trouve les camps, il faut retrouver des autres passagers de l'avion. D'accord. Moi, il m'intéressait. Il fait assez flipper quand même. J'aimerais bien le prendre. Est-ce que quelqu'un a... Il a 20 euros, hein. Est-ce que quelqu'un a une idée là? Parce que je suis un peu bloqué. Absolument pas. Sano, une idée? Là, il n'y a que dalle. Et si tu essayais d'utiliser le Floros? Non, mais c'est pas. On l'a pété. Ouais, ça va, ouais! Ouais, une Nazer, c'est un FPS. Une sorte de MMO FPS. Ah ça va. Oh mais oh mon dieu. Ça va, ils sont 5. Ouais, Nazer, c'est un MMO FPS où tu peux te faire tuer pour te faire voler ton costume. Ouais, c'est quelque chose de merde. Mais sérieusement, ils sont 12 millions quoi. On s'en fout. Allez, c'est reparti pour le début. Alors là, les égouts, ils vont bien nous emmerder. Voyons voir. On récupère la carte. Putain, pourtant, c'est pas... Faut suivre le plan pour aller jusqu'au parc de loisirs. Ouais, mais j'ai un cul-de-sac... Ah, putain! Quoi? Il y a une échelle et on l'a pas vu. Hop, se fait un sextape avec les monstres. Ah ouais, bon. Il y en a une qui va pas être contente, je pense. Merde. C'était une blague, c'est pas par là. Coup forest, prends-toi les murs. J'imagine la vie des égoutiers. Bonne soirée. Arias. Sur le glace, ça sera après. Très longtemps. Ouais. Dès qu'on a fini ça, je m'occupe de. Ta-ta-ta-ta. Alors, j'ai testé au glace aussi. Ouais. De psychose, donc c'est-à-dire sans sauvegarde. Et t'es allé pas mal. T'es allé assez loin quand même. Assez loin. C'est vite dit quand même. Mais il a 6 heures, je crois, de réveiller le jeu. Ouais, mais t'es. Je suis mort au premier ennemi quand même. Bon, non. Dès qu'ils ont commencé un peu à arriver dans le noir. Bon, en même temps, je jouais sans son, donc Outlast sans son, c'est là. Tu te balades dans le noir, tu fais... Bon, moi, je me suis retourné et j'ai fait... Et ils m'ont défoncé le crâne. C'est la version biblique, Outlast sans son? Non, bah, c'était en même temps que PT, c'est... On a été testé chez Fred. Ok. Donc, avec nos amis de Toulouse, et donc on n'avait pas mis de son pour les enfants. Bon, Outlast faisait moins peur, donc les enfants dormaient, donc on n'avait pas mis de son, donc... De jouer sans son. Allez, donne-moi. Oh! Eh ben. Alors. Oui, mais c'est juste pour s'amuser au Ken, le mode psycho. Vu que j'allais pas le finir, de toute façon, c'était pas chez moi. En tout cas, à l'amusement de parc, on a l'air de bien s'amuser. Je me trompe encore de menu. Je l'ai chez moi aussi, donc je vais y jouer chez moi. J'allais pas faire une partie de 6 heures chez d'autres personnes. Ouais, je trouve ça chiant en fait quand tu te fais un jeu et que après t'es obligé de recommencer à la maison, c'est un peu. C'est pour ça que j'ai testé Psychose directement, c'était pour le fun. Putain, il devrait mettre la carte sur Select. En fait, il est toujours dans le même trou. Ça fait peur ce con. Ouais, bah il s'est bouché. Passé, en fait. Voilà. Je sais pas. Au moins, ils te disent tu as juste à suivre la carte. Ah ouais, ça se voit. Même regarder la solution pour te dire. C'est la seule phrase qui a marqué. Entrez dans les égouts, prenez la carte et suivez-la jusqu'à la sortie. Je comprends pas. Utilise le Floros. Oh, tu m'emmerdes avec ton Floros.
L'autre échelle, on nous dit. Il y a une autre échelle. Oui, celle qu'on a utilisée pour descendre ici. Quelle autre échelle? Je sais pas, mais... À moins que... Attends. À moins qu'il faut que je revienne et que je remonte... Mais non, c'est de là où je viens, là-bas, l'autre bout, non? Ah bah ouais, ouais. Ah, je comprends pas où je vais. Je vois des portes à déverrouiller, on nous dit. Ah, faut les voir, les portes. Faut longer les murs. Faut que tu prennes l'espèce de long couloir. Ok, merci pour tous ces détails. On n'était pas dans le long couloir déjà. Ah, du coup, y a... Ah, et ça, c'est... C'est bon. Les hommes taupes. Putain de sa mère. C'est une dame que j'aime beaucoup. Alors si tu vas là tout au bout, que tu tournes pas à gauche, au bout de cette allée. Ouais, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Mais j'ai plus d'idées, hein. J'essaye. Non, justement, de pas aller là. N'écris pas comme ça, tu m'as fait peur! Je regardais pas l'écran, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ok, il fallait revenir sur ses pas. Oh con! Putain, je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Et il est 22h, on va couper. Ah bon, on va faire la coupure. Moi? Mais toi, c'est lui. Ah merci, oui. On va couper, on revient tout de suite après qui m'est réanimé. Que notre tension soit un peu baissée, parce que là on a les palpitants. Allez, à de suite à tout le monde.